Patrick Durand, je suis agriculteur en polyculture élevage sur la commune de Ronel, terre de Bancalier, au cœur du département du Tarn. Alors cette année, c'était un essai. Ce qui m'a incité le plus, c'était les cours du tournesol au mois de mai. Ça, c'est la première raison. Deuxième raison, c'est le précédent est un colza semence qu'on nous demande d'endainer donc une récolte assez précoce, début juin. C'est pour ça que je me suis permis de tenter cette culture de tournesol en dérobé. C'est une parcelle principalement en argilo-calcaire avec une zone un peu limoneuse. C'est quand même une parcelle qui n'est pas trop séchante non plus et qui a la possibilité d'être irriguée en plus. C'est un colza semence qui a fait 26 quintaux, qui a été récolté le 10 juin. Alors, de suite après la récolte, j'ai passé un outil, un ameublisseur, couplé à une herse rotative, tout ça en un seul passage, pour essayer de préserver s'il y avait encore un peu d'humidité à cette période-là, pour faire un semis le plus rapide après la récolte. Donc, le semis s'est fait le 13 juin avec un semoir pneumatique. Équipé de chasse moteur rotatif pour écarter un peu les débris du colza. Alors c'est une variété précoce de chez Euralis, ES Topic. On m'a proposé ce genre de variété principale apparemment qualité, c'était une bonne résistance au mildiou. Sachant que ce serait une parcelle qui allait être irriguée, c'était un des critères aussi de choix. Alors, il y a eu deux passages dès le semis pour avoir une bonne levée. Deux passages de 20 mm. Ensuite, il y a eu deux autres passages de 20 mm au stade bouton début août. Et la moitié de la parcelle après a été arrosée fin août pour le remplissage de la graine. On a eu deux orages, dont un qui est arrivé après les deux passages d'irrigation au semis. C'est clair qu'on aurait pu éviter l'irrigation pour la levée, mais on ne le savait pas. 54 mm. Au mois de juin, et après fin août, début septembre, 18 mm. Et entre-temps, il n'a pas vu d'eau et que de la chaleur. L'objectif, c'était de le récolter dans la première quinzaine d'octobre. Vu son état aujourd'hui, je n'y crois pas du tout. Fin octobre, ça serait bien. L'objectif, c'est de pouvoir récolter dans de bonnes conditions pour implanter derrière du blé, pas trop tard. Et toujours dans de bonnes conditions. On sait très bien que plus on va avancer dans le temps, on risque d'avoir des pluies et choses comme ça. Et c'est là où il va falloir le gérer. C'est aussi ma principale interrogation aujourd'hui, quoi.